Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que personne ne regardera, bien entendu. Non, on va parler des prochains tournois, des prochains événements qui arrivent, puisque on vient de finir la Gaming Winter Fest. Alors j'ai mis quelques chiffres sur Facebook et sur Twitter. Ça s'est super bien passé, honnêtement, un super événement. Le but n'est pas forcément de revenir totalement dessus, mais une LAN où il y avait 13 équipes. On a atteint quasiment 3000 viewers sur le stream. C'était franchement, ça a été une super fête. En dehors des chiffres, c'était une super fête. C'était un très bon moment, moi j'ai adoré, j'ai kiffé. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les VOD sur YouTube. Alors pour commencer, prochain événement qui arrive, et il arrive très vite puisque c'est un one shot. Alors peut-être que ça se refera, mais pour le moment, et eh bien c'est ce qu'on appelle la Nut Cup, à savoir Heroes Lounge. Si vous suivez un petit peu, c'est la division S, et Heroes Lounge a décidé de s'allier en fait avec une team chinoise, à savoir TN, donc à savoir Team Nut, qui va tout simplement eh bien, financer un tournoi pour l'Europe. En fait, c'est un tournoi sino-européen, donc avec deux équipes chinoises et... Alors, il y a 8 teams, mais c'est 2 équipes chinoises et 7 équipes européennes. Vous allez me dire quoi? Ben, c'est normal, c'est parce qu'il va y avoir... On y reviendra juste après, mais il y a une équipe qui va tout simplement être en Chine et qui est une équipe européenne. On y reviendra juste après, parce que je sais que là, dit comme ça, ça peut être compliqué. Alors, pour commencer... Team Nut et une... Il faut... Je peux pas vous parler de la Nut Cup sans parler de Team Nut, parce que Team Nut, c'est une histoire absolument exceptionnelle dans l'e-sport qui mériterait d'être plus connue. Alors j'en ai... Je pense que vous en avez pas forcément trop entendu parler, parce que malheureusement Team Nut est arrivé sur les Gold Series, donc dans les AGC Chine, au moment où je pouvais plus cast tout, et du coup j'ai dû sacrifier la scène chinoise pour pouvoir continuer à cast la Corée, l'Europe et l'Open Division. Et en l'occurrence, Team Nut, en fait, c'est tout simplement, en fait, alors, on pourrait dire c'est bizarre, Nut, ça veut dire noix en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben en fait, c'est tout simplement un chef d'entreprise de noix chinois, donc un chef d'entreprise chinois qui a une, voilà, une compagnie de je sais pas trop, enfin, il travaille dans les noix, hein, tout simplement, donc j'imagine que c'est industriel. Mais en l'occurrence, le mec adore l'e-sport. Il adore l'e-sport, et plus particulièrement Heroes of the Storm. Et il est tellement passionné par ces deux univers-là, et bien qu'il a décidé de sponsoriser, et pas une grosse équipe chinoise de Gold Series, mais une petite équipe, Team Nut. Et il a décidé, voilà, de s'installer. Il a récupéré, alors c'était notamment l'équipe où il y avait Timeless, si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, mais je crois que c'était l'équipe de Timeless. Et du coup, donc Timeless qui était le plus chinois, enfin le plus européen des chinois, parce qu'il avait beaucoup joué sur le ladder européen quand il était en voyage. Et au final, comme c'est un chef d'entreprise, etc., et qui, bah, du coup, il travaille un petit peu dans l'international, eh bien, il s'intéresse aussi beaucoup à la scène européenne. Et aujourd'hui, eh bien, il sponsorise donc une équipe chinoise. Il sponsorise également donc certains streamers, certains casters chinois, qui, du coup, eh bien, commentent pour Team Nut les compétitions européennes, notamment la division S. Et à côté de ça, eh bien, Team Nut a décidé, eh bien, de faire un tournoi européen et chinois. Et c'est la Nut Cup avec les équipes de division S et son équipe Team Nut chinoise. Sachant que ce n'est pas terminé, puisque Team Nut, donc c'est quand même une belle histoire, mais en plus de ça, eh bien, ils ont un petit peu facilité aussi les rapports entre Chine et Europe. Et ce qui fait, on y reviendra juste après, pour les Gold Series, eh bien, il y a des équipes européennes qui vont participer aux anciens AGC Chine. On y reviendra juste après, puisque c'est une belle histoire aussi, la scène chinoise qui fait vraiment du bien à Heroes of the Storm. Donc on va pouvoir reprendre en parlant. Donc Nut Cup, ce sera donc voilà un one shot ce week-end. Donc on est le 7, le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 mars. Donc ce sera ce week-end, donc le week-end du 9 et 10 mars tout simplement. Vous pouvez aller voir le planning, ce sera plus simple pour tout le monde. On suit justement avec les Gold Series. Alors bon, j'ai mis une image, c'est la seule que j'ai trouvée un petit peu sur les Gold Series. Donc c'était ça, c'était en 2019, mais c'était juste tout simplement le top 4 des équipes de 2018 qui s'affrontent. Mais juste avant l'annonce de la BlizzCon avec la... Enfin juste, non même pas de la BlizzCon, d'après BlizzCon avec l'annonce de la fin des HGC, eh bien les Gold Series avaient déjà annoncé qu'ils continuaient Heroes of the Storm pour 2019. Et du coup, eh bien il y aura 2 saisons de Gold Series avec le reste des équipes chinoises. Mais ils ont eu un très bon sens du business, puisqu'ils ont tout simplement ouvert... donc
Je le rappelle, les Gold Series, c'était Gold Series en 2015-2016, ça s'appelait déjà Gold Series. Ils font ça aussi sur Hearthstone et autres, sur Warcraft 3 et Starcraft 2. Et en l'occurrence, eh bien, quand les HGC ont commencé à chapeauter tout ça, c'est devenu les HGC Chine. Mais c'était Gold Series, c'était toujours Gold Series, et maintenant qu'il n'y a plus de HGC, eh bien, ça reprend le nom Gold Series. En l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que donc ils l'ont pensé, les créateurs de... Les organisateurs des Gold Series ont pensé à un truc, c'est tout simplement, comme ils savent qu'il n'y a plus de HGC ailleurs, ils se sont dit, eh bien, on va ouvrir aux internationaux les Gold Series, on va en faire un tournoi international, et en l'occurrence, eh bien, n'importe quel étranger a le droit de participer aux Gold Series s'il est résident chinois. Le truc, c'est qu'en étant aux Gold Series, donc il y a forcément... Alors, très souvent dans les règles des tournois, c'est 3 joueurs locaux, donc 3 joueurs chinois, il faut une majorité de joueurs chinois. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, ils ont mis 2 joueurs chinois et ouvert à 3 joueurs internationaux. Ce qui fait que ça va complètement relancer l'intérêt... Ça sert un petit peu, je dirais, de sanctification dans le circuit e-sport, puisque ça va permettre eh bien, à des joueurs qui veulent continuer à être pro eh bien, d'aller en Chine. Et c'est le cas avec notamment eh bien, une équipe un petit peu les anciens Fnatic, une équipe, ce que j'ai envie d'appeler l'équipe suédoise, qui va tout simplement faire les Gold Series avec notamment eh bien, Schwimpy. Nous aurons donc Schwimpy, Wubi. Alors nous aurons Jia. 365 et Poilk, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le cinquième c'est Poilk dans cette équipe. Donc 2 Chinois, 3 Suédois. Alors en l'occurrence dans cette équipe il y a 4 Suédois et 2 Chinois. Vous allez me dire mais ça fait 6, ça fait pas 5. C'est normal, Jia, donc vous avez pu suivre dans l'équipe suédoise des Nexus Contest, eh bien, est à double nationalité, chinoise et suédoise. Et ce qui fait que Jia eh bien, va servir de joueur chinois mais également suédois dans cette équipe. Et le seul véritable chinois de cette équipe, c'est 365, que vous devez connaître si vous suiviez un petit peu les compétitions internationales et la scène chinoise. 365, c'était l'ancien joueur de Challenge notamment, et Dots Lady enfin, il y a plus longtemps. 365, c'était également un caster et analyste de la scène chinoise. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça nous fait, et c'est toujours un joueur qui a eu des très bons rapports avec les joueurs occidentaux. Donc voilà, on aura 4 Suédois avec notamment, moi ce qui me fait plaisir, c'est que Wubi reste sur Heroes, adore ce jeu, et voilà, et bien il se concentre maintenant avec Schwimpy qui a pas mal de contacts avec des Chinois. Hein. Schwimpy c'était déjà un très bon pote de Timeless. Ils vont aller en Gold Series ensemble, jouer ensemble. Donc c'est un petit peu l'ancienne Fnatic, je dirais. Bon, Jia ne faisait pas partie de cette équipe, mais on a quand même Poilk. Bon, Poilk qui n'a jamais foutu les pieds chez Fnatic, vous allez me dire. Mais Poilk, Schwimpy avec Wubi, je trouve ça exceptionnel. Jia qui sera également là-bas. Donc non, ça fait vraiment plaisir. De l'autre côté, ce n'est pas terminé parce que ça c'est pour une équipe occidentale, mais nous avons également les Coréens. J'ai eu l'occasion moi-même de parler un petit peu avec Hyde, le support de Tempest. Et en l'occurrence, eh bien, alors je ne connais pas encore tout, je ne peux pas tout dire. Ce que je sais, c'est que, disons que je lui ai filé quelques contacts, notamment avec Schwimpy, etc., pour que ce soit plus simple. Et les Coréens qui ont continué à aimer ce jeu, Hyde m'a dit, j'aime ce jeu, j'ai pas envie d'aller ailleurs, je veux rester sur Heroes. Et en l'occurrence, eh bien, ça pourrait potentiellement sauver la scène coréenne, puisque des joueurs coréens vont rester ensemble. Alors, je ne sais pas encore pour Lockdown, je sais que Hyde doit en parler avec Lockdown. Mais Hyde, Reset, Rich et d'autres joueurs, il est fort probable que des joueurs coréens eh bien, s'intègrent dans des équipes tout simplement chinoises. Ce qui serait très très beau. Il y a déjà également l'ancien manager de Tempest, alors c'est Sing, j'oublie le nom, a tout simplement dit justement qu'il allait suivre une partie de ses anciens joueurs dans les Gold Series. Donc il y a vraiment la scène coréenne qui va participer en nombre aux Gold Series. Donc ça fait plaisir, ça va nous faire un championnat avec les meilleurs joueurs chinois, certains meilleurs joueurs européens et également les meilleurs joueurs coréens. Donc on va avoir des Gold Series à couper le souffle, ça va devenir le championnat le plus incroyable à mon avis d'Heroes of the Storm. Et ce qui serait vraiment très beau aussi, c'est qu'une structure comme Genji qui a... Enfin, il fallait suivre un petit peu les réseaux sociaux, mais qui faisait des choses absolument superbes, comme le maillot spécial Heroes Never Die, avec les titres de leurs joueurs. On sait que le gérant de Genji, la structure Genji, adorait ses joueurs Heroes of the Storm. Il est fort probable peut-être qu'il puisse eh bien, sponsoriser une équipe sur les Gold Series. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, ça promet de très très belles choses, et les Gold Series apparaissent vraiment comme le paradis des joueurs, des ex-joueurs pro d'Heroes. Bien sûr, il faut les moyens pour pouvoir aller en Chine,
Mais après, eh bien, il y a vraiment des choses à aller récupérer là-bas, que ce soit en termes de niveau de jeu ou en termes de cash prize pour les joueurs. Donc c'est quand même, eh bien, superbe. Et moi, je serais très content de pouvoir le cast. Alors pour le moment, je ne peux, je suis pas 100% officiellement, je n'ai pas encore les droits de cast. J'espère pouvoir les obtenir. Ensuite, nous avons le Heroes of the Storm Revival. Donc tout simplement, eh bien, la scène coréenne qui décide également. Alors après. De longs mois sans aucune communication, eh bien, ils préparaient quelque chose. La scène coréenne décide de tout simplement d'essayer de sauver le jeu qu'ils aiment sur la scène coréenne. Et ça, c'est franchement un régal à suivre. Ça s'appellera, donc ils vont créer une ligue qui s'appellera la Heroes of the Storm League Revival. Donc Revival, c'est tout simplement, eh bien, un tournoi, une ligue majeure où les anciennes stars d'Heroes ou les mêmes stars actuelles d'Heroes vont tout simplement s'associer, créer différentes équipes. C'est les joueurs ont drafté leurs propres équipes. Disons que certains capitaines, on n'a pas laissé Genji, l'ancienne équipe Genji, parce que sinon ce serait un petit peu trop fort. Donc chacun a décidé de drafter ses propres joueurs en fonction de ses affinités et autres. Pour histoire, en fait, le but de cette ligue, en tout cas en premier lieu, c'est d'essayer de faire un max de pub, de faire un maximum parler d'Heroes en Corée, d'essayer de raviver la flamme, d'essayer de trouver des sponsors pour derrière, eh bien, pouvoir relancer potentiellement la Power League et la Super League, les grandes divisions, les grandes ligues qui existaient avant la création des HGC Corée. Donc Heroes of the Storm Revival, c'est tout simplement donc ce tournoi avec, comme vous le voyez, différents capitaines. Doug Deok qui a été, je le rappelle, champion du monde avec Tempest. Crazy Moving qui était l'un des joueurs stars d'MVP Miracle. Alex, le joueur de Supernova. Nochat qui était tout simplement le joueur de Blossom. Et de Supernova aussi d'ailleurs. Onkono, donc champion du monde avec Tempest et joueur de Blossom. Rich, évidemment la superstar, ancien joueur d'MVP Black et également de Genji eSport. Kyosha, pareil, MVP Black, Genji eSport. Et Trog, alors Trog, ça c'est beau, ils n'ont pas du tout été draftés. Trog, c'était tout simplement la seule équipe qui avait réussi à se qualifier pour les HGC 2019 et qui, bah, avec cette annonce, avait finalement bien rien eu, pas eu du tout d'infos. Enfin, avait vu sa place en HGC sucré. Et du coup, les Trog ont été invités et n'ont pas eu besoin de changer leur roster pour les Heroes of the Storm League Revival, et ça je trouve ça quand même superbe. Du coup, Deck Dea, Crazy Moving, Alex, Nochat, Onkono, Rich et Kyosha ont tout simplement, eh bien, drafté leurs joueurs. Ils ont choisi un petit peu plein de joueurs et on a par exemple l'équipe de Doug Deok avec eh bien Rizet, hein, l'ancien joueur de Genji, KCB, Kirizaku. Donc ça c'est quand même il y a des très beaux noms qui sont redraftés, par exemple Crazy Moving qui reprend certains de ses anciens coéquipiers, notamment Jiyun, PDG qui va revenir également, Gondar, donc des sacrés noms à Ebin. Du côté d'Alex, on a Judy, donc l'ancien tank de Miracle, Asgard, Ujae, Liu. Du côté de Nutshot, on a Sniper, l'ancien joueur de Miracle, Audi Jung et H82. Donc pareil, le H82, Lotte Pertanis, hein, absolument superbe et ancien mêlé de Tempest. Onkono qui a draft Nacho Jin, donc ancien joueur de Miracle évidemment. Nasang, alors Capybara je ne connais pas, et Hero, c'est un ancien joueur de la scène coréenne, vraiment un vieux joueur de la scène coréenne. Du côté de Rich, il a drafté Hooligan, l'ancien tank de Ballistix. On aura alors Odek, je ne sais pas qui c'est. Et enfin Izzy qui était la joueuse professionnelle d'Heroes of the Storm, qui était montée avec alors j'oublie, c'est RRR il me semble, l'équipe qui était montée donc d'Open Division coréenne en HGC, et qui était la capitaine de cette équipe, qui avait eu des gros problèmes de santé, qui avait dû eh bien arrêter, et malheureusement RRR avait perdu sa place en HGC. Mais du coup Izzy, qui est une joueuse super sympathique et qui était la capitaine de cette équipe, bon, moi ça me fait très plaisir de pouvoir la retrouver sur la scène compétitive. Blue Beetle dans l'équipe de Kyosha avec Hyde, le support évidemment de Tempest. Qui me fait un peu ce qui me rend triste, c'est qu'il n'y a pas Lockdown. On a Modern Life et Dudu, donc des très bons joueurs également, des très bons joueurs dans l'équipe de Kyosha. Du côté de Trog, sur le papier honnêtement l'équipe de Kyosha je la trouve très forte, hein. Kyosha, Blue Beetle, Hyde, Modern Life et Dudu, sur le papier t'as quand même une très très belle équipe. Du côté de Trog, on a tout simplement les joueurs qui étaient dans l'équipe d'Open Div coréenne. Donc voilà le but. Alors pour le moment ce n'est pas ouvert au cast étranger, donc je ne pourrai pas cast ce championnat. J'essaierai peut-être de trouver des VOD si c'est possible, mais en l'occurrence pourquoi ils ne l'ouvrent pas à l'international, c'est exactement un petit peu comme
comme j'avais fait avec la Nexus Cup, c'est-à-dire que leur but c'est de trouver des sponsors, d'essayer de rendre cette ligue viable et pérenniser cette ligue. Donc le but c'est de faire un maximum d'audience au point de vue coréen, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder, ce sera probablement des horaires un petit peu particuliers. Ça commencera à partir de la semaine prochaine, donc si je dis pas de bêtises c'est le 14 mars que ça commencera. Et en l'occurrence, eh bien, le but encore une fois voilà, c'est de réussir à trouver, faire suffisamment de bons chiffres pour intéresser les TV coréennes et intéresser les sponsors coréens pour pouvoir eh bien, rendre une ligue viable. Et ça plus les Gold Series pourrait permettre à des joueurs eh bien, de pouvoir en vivre. Et c'est pourquoi par exemple si vous regardez un petit peu sur Twitch, vous voyez des Rich, des Kyosha, etc. qui continuent à stream du Heroes, déjà parce qu'ils adorent le jeu, mais en plus de ça, eh bien, il y a ce genre de tournoi qui arrive et qui les remotive complètement. Ensuite, nous avons eh bien, les tournois qui concernent un peu plus la scène européenne et la scène française, avec notamment eh bien, la division S qui continue, bien entendu. Les qualifiers sont terminés, donc maintenant, eh bien, c'est l'heure de commencer la division S. Ce que je peux déjà vous annoncer, ça fait plaisir, la première structure e-sport à revenir pour supporter une équipe sur la division S, c'est Granite Gaming, la structure suédoise, la structure du frère de Quacknix, hein, Quacknix ancien champion du monde avec Fnatic, eh bien, a choisi de sponsoriser, tout simplement, c'était les Albeos Fan Club, donc l'équipe de Fury, de Lober, il y a Henning, et si je ne dis pas de bêtises, il y a Svamgrota, je crois que c'est Svamgrota. Donc une équipe super intéressante, je suis très content de les voir revenir sur la scène et première du coup structure à avoir une équipe en division S. En l'occurrence donc alors si je dis pas de bêtises, ça devrait revenir à partir du 15 mars la division S, donc la semaine prochaine. Donc voilà, avec le top 8, on a une équipe française avec les LFT for division S. Donc sachant que du côté des washed up, on a bien sûr JPL et Mene, donc on a voilà, des Français présents dans cette division S, ça sera un plaisir. Au niveau de la LAN, on vient de terminer la Gaming Winterfest, et bien vous le voyez maintenant, c'est place à la GA, la Gamer Assembly, la plus grosse LAN de France en termes de gabarit, en termes de joueurs, etc. Avec et bien le tournoi d'Heroes of the Storm, donc qui, je mettrai bien sûr toutes les infos dans la description, et qui se déroulera du 20 au 22 avril. Et ce sera au parc des expositions de Poitiers. Donc moi personnellement je serai présent très probablement avec la team Dignitash, hein, avec les potes, donc Nyark, Alucard, Arty et Whisky, sachant qu'il y a déjà aussi pas mal de joueurs qui ont, disons spectateurs et joueurs je pense, qui ont vraiment kiffé cette Gaming Winterfest et qui sont vraiment chauds et motivés pour aller faire la Gamers Assembly. À côté de ça, nous avons la Nexus Cup 2ème édition pour 2019. Alors, j'ai mis vers mai, il est possible que ce soit un peu plus tard, on verra, mais dans tous les cas, suite au succès de la première édition, je l'avais dit, je referai une Nexus Cup. Cette fois-ci, j'ai tout simplement... Eh bien beaucoup de, alors pas forcément beaucoup d'ambition, mais voilà, j'ai envie d'en faire plus pour cette scène française et faire plus de Nexus Cup. Donc la deuxième devrait arriver voilà, printemps, début été on va dire, 2019. Et notamment eh bien, grâce par exemple au soutien de Rocket, hein, mon premier sponsor. Eh bien, alors Rocket ne va pas sponsoriser Nexus Cup, c'est juste que Rocket me sponsorise personnellement, sponsorise la chaîne, ce qui fait que ça me permet eh bien, de pouvoir financer cette Nexus Cup. J'espère pouvoir trouver d'autres sponsors afin vraiment de financer la Nexus Cup de manière indépendante, en plus de moi-même. Mais bon, voilà, le but, c'est aussi de montrer à des sponsors que oui, Heroes of the Storm, ça a de la visibilité, ça amène de la visibilité, des achats, etc. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le code de réduction si vous avez besoin d'acheter du matos. Évidemment, sur la boutique Rocket, tout est dans la description. Mais dans tous les cas, voilà, ça permet eh bien, de pouvoir financer ce genre de compétition, et c'était le but. À côté de ça, nous avons le Masters Clash. Masters Clash, donc un autre gros tournoi européen, un petit peu à l'idée de la Division S. La différence, c'est que ce serait une espèce d'énorme tournoi, pas de ligue, vraiment un tournoi avec Open Qualifier, donc tout le monde se qualifie et sourd. Et ensuite, eh bien, on a des phases finales, donc pas de ligue, phase finale en LAN, en offline. La salle a déjà été réservée, donc l'idée c'est que avec l'aide de sponsors mais également de crowdfunding, eh bien Masters Clash pourra financer le cash prize et pourra permettre eh bien, à tous ces joueurs de réaliser ce rêve, à savoir eh bien, des phases finales en LAN avec un énorme tournoi majeur pour Heroes of the Storm et la scène européenne. Donc ça, ce sera un énorme plaisir. Les qualifications online se dérouleront entre le mois de mai et le mois de juin, avec des phases finales en LAN en juillet, sachant que ça tombe bien parce qu'en juillet
se passe pas grand chose au niveau événement, donc ce sera plutôt cool avec le début des vacances. Ce sera un très très bon moment. Je sais que là il y aura probablement aussi voilà, ouverture de la billetterie pour pouvoir aller sur place. Bon, déjà il faudra aider un petit peu au crowdfunding, hein, aider au financement du tournoi, mais en l'occurrence eh bien je crois que la salle est entre 200 et 250 places. Donc par contre bah forcément vous allez vous dire ah ça fait peu de place. Oui mais déjà il y a peu de tournois comme ça en offline. Donc l'idée c'est de remplir la salle. Donc déjà si ça se remplit, je pense qu'ils ont déjà pour projet d'en faire un deuxième si le premier fonctionne. Donc si jamais le premier fonctionne très bien et qu'il y a beaucoup de demandes pour les places, peut-être que pour le deuxième ils réserveront une salle de 500 places. On verra comment ça va se passer. En tout cas voilà pour les prochains événements. Je mettrai plus de détails dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à donner vos impressions. En tout cas ça fait beaucoup de choses et je suis vraiment très content parce qu'avec tous ces événements, notamment les Gold Series et les Heroes of Storm Revival, bah moi je dois vous avouer que ça me touche énormément et l'espoir reste et la communauté se bat et ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer également à vous battre pour ce jeu, à parler de ce jeu autour de vous et surtout eh bien venez par exemple à la Gamer Assembly. Si on veut qu'il y ait davantage de LAN sur Heroes of the Storm, eh bien il faut se bouger et aller aux événements. C'est comme ça qu'on peut sauver Heroes. Il faudra une communauté solidaire et qui choisit de défendre son jeu. Ça a déjà été fait sur d'autres licences, hein. Je pense à Smash Bros, hein, pour tous les joueurs de mêlée, etc. À l'époque, Nintendo ne soutenait absolument rien et c'est la communauté qui montait ce genre d'événement et qui, par son soutien, ses retweets, ses likes, alors je parle bien sûr, vous dites c'est pour ma vidéo, mais même pas, genre à partir du moment où il y a des grosses annonces qui arrivent, etc., et bien n'hésitez pas à partager autour de vous, liker, etc. C'est comme ça que les événements buzzent et peuvent et bien relancer complètement la scène amateur d'Heroes of the Storm. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous hype. Moi, elle me hype énormément. Il y a eu beaucoup de questions ces derniers temps en mode qu'est-ce qui se passe au niveau de la scène coréenne, la scène chinoise, et bien j'espère que cette vidéo vous aura, voilà, aura répondu un petit peu à vos attentes. Moi en tout cas je suis vraiment content parce que je dois vous avouer qu'il y a des moments bien sûr de doute où tu te dis bon bah est-ce que t'es pas un peu seul à essayer de tenir le truc, et non, la scène chinoise et coréenne ça fait vraiment un bien fou. J'espère que ça marchera bien. Alors, la scène chinoise je m'inquiète pas forcément beaucoup et merci à la Chine d'ailleurs, mais au niveau de la Corée c'est vrai qu'on verra un petit peu comment ça fonctionnera. J'espère que ça fonctionnera ce Heroes of Storm Revival et que ça puisse eh bien relancer un petit peu l'intérêt sur la scène coréenne. Après d'un autre côté les Gold Series, si ça amène des coréens, la Gold Series pouvait relancer un petit peu cet intérêt sur la scène coréenne, donc les deux ensemble, j'espère bien que ça ranimera la flamme, on va dire, sur la scène asiatique et sur la scène européenne. Et bien on continue de faire son petit bonhomme de chemin et n'hésitez pas à soutenir voilà ce genre de tournoi. Moi je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Heroes of the Storm certes a pris un gros coup derrière la tête mais toujours là et se maintient en vie, donc grâce à vous. Donc je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus.